Nous vous saluons tous dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Tunamisalimia ninyote mujina damani ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous excusons pour le petit retard, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et tunamiomba mutupwe mutue razi kwa hii kuchelewa leo. Mungu amibariki kule kote kwenye muko. Nous allons commencer notre adoration. Tutaanza kuabudu yetu. Le frère David va nous entonner le cantique qu'il a préparé. Et ndugu David anaweza kututumia ile nyimbo yenye alitayarisha. Chantons avec joie. Tuimbe na nous allons écouter la parole. Na tuimbe na furaha mbili tupate kusikia neno. Chantons mon Dieu plus près de toi. 101 Hosanna. Oh mon Dieu, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans les jours dans pèlerin bon pour moi.
partage ton chant, brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, Jésus, plus près. Fellowship, pèlerin, pèlerin, bon, tiens-moi courage, ton chant rappelle l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, Jésus, plus près de toi. Car nous venons de les chanter, tendre Père. Le désir de notre cœur, c'est d'être toujours plus près de toi. Toi, notre Dieu, notre tendre Père céleste. Toi, le roi miséricordieux. Le roi de Salem. Toi, le Dieu de gloire. We mungo tukufu. Toi, le tout suffisant. We mwenye unaenea mubiote. Le grand Elohim. We Elohim mukubwa. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus Christ. Jina lako ni Bwana Yesu Kristo. Ce matin, asubuhi ya leo, nous levons encore nos voix vers toi. Tunainua tena sauti yetu kwako. De témoigner notre gratitude. Kukuonesha kabisa shukrani yetu. De dire merci pour la protection. Kukupigia accent kwa ajili ya ukiko. Merci pour le souffle de vie. Accent kwa ajili ya pumzi. De dire merci pour tout ce que toi tu as fait pour nous. Kwa kile kiote nyewe au kome kabisa kutufanyia. Merci pour la parole que tu as préparée pour nos âmes ce matin. Oh Dieu puissant, Dieu l'unique et le véritable, Dieu sans pareil, et nul n'est comme toi. Ce matin, oh Dieu, nous approchons de ton trône de grâce pour implorer ta miséricorde dans notre vie, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Te demandons pardon là où nous avons manqué d'obéir à ta parole. Étant des êtres humains, il nous arrive de broncher d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle, oh Dieu, ce matin, nos têtes sont inclinées devant toi. Nous inclinons nos cœurs devant ta face. Et nous te demandons de nous pardonner, Seigneur. S'il y avait quelque chose qui a été enregistré dans la gloire contre nous, laisse réellement que ton sang fasse l'expiation. Oh Dieu de grâce, nous ne voulons pas paraître devant les trônes de jugement. Nous voulons se tenir devant les trônes de miséricorde, sachant que nous ne sommes pas dignes. C'est pourquoi nous implorons ta grâce. Accepte, oh Dieu, d'enlever la conscience du péché à nous. C'est ce qu'il est écrit dans ta parole, que l'adorateur une fois purifié n'a plus conscience du péché. C'est pourquoi purifie nos seigneurs et enlève toute conscience du péché. Bénis tes enfants, Seigneur, partout ils sont. Te suivre, oh Dieu, en ce moment, que ce soit dans cette province, dans toute l'étendue de la République, même à l'étranger, nous prions pour chacun d'eux. Demandons ta grâce sur chacun d'eux, Père, que leurs problèmes soient résolus. Que tu leur accordes la solution à tous leurs problèmes. Donne-lui la victoire. Exauce leurs prières. Bénis ta parole que nous allons lire maintenant. Donne-nous l'attention sur toi. Et parle-nous, Seigneur. Bénis fellowship. Bénis chaque membre. Bénis chaque officiel. Et garde tes enfants dans l'unité. Que ton esprit nous conduise en toutes choses, parce que toi tu es Dieu. Nous attendons à toi. Parce que toi, tu es le véritable. Oh Seigneur Jésus, je te dis aussi merci que tu m'as donné un fils. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ton assistance. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Sois béni à jamais. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous avons besoin de toi. Soutiens-nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent, parce que tu es Dieu. Soit glorifié à jamais. Bénis tes enfants qui sont à la technique. Bénis les conducteurs de chant, les interprètes. Bénis chaque officiel qui est présent.
kila wasimamizi wote wa moment dans ces bâtiments Seigneur. Muifasi muimajengo. Bariki leur sacrifice. Bariki kujitolea kwao. Bénis les efforts qu'ils font pour toi. Bariki le yote wanafanya kwa ajili yako. Tu le bénis que tu les soutiens. Bariki leur pote kuwasaidia. Derrière la paix demeure dans leur maison. Les travaux de leurs mains puissent réussir. Na kazi ya mikono ipate kuendelea. Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Je tunaomba hivi. Amen. Amina. Bien, nous allons continuer notre sujet. Ndio tutaendelea na ile usomi yetu. En méditant là-dessus, je pensais que c'était un petit sujet que je pouvais terminer. Et kwa kutafakari kwa ile deux ou trois séances. Nilikuwa kiwazea kwamba nikakishina kiloko nyetu ningeweza kumalizia mu mikusanyiko mbili wala tatu. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur là-dedans. Et kabisa niko na vumbula ya kwamba kuna mauketu mengi kule ndani. Le Saint-Esprit me conduit encore à tarder là et partager avec vous ce qu'il veut que ses enfants entendent. Na Bwana akingaiki na tuchelewesha hapo, akingaiki na tupagabulia ile yenyewe anapenda watoto wake wasikie. Ouvrons nos Bibles dans Psaume 65. Tufungule ma Biblia zetu katika kitabu ya Zaburi 65 le verset 5. Et tutasoma ile mustari ya 5. Celui que tu choisis et Iko, que tu admets en ta présence. Iko eri yule mwenye unamchagua na ule mwenye unamuitika katika uwepo yako. Pour qu'il habite dans ton parvis. Ili apate kudumu katika nyumba yako. Nous rassasierons du bonheur de ta maison. Et watajibishwa na utajibishwa na wema nyumba yako. De la sainteté de ton temple. Na ile utakaso ya nyumba yako takatifu. Que le Très-Haut bénisse la lecture de sa parole. Wajuu zaidi abariki usomi ya neno. C'est un sujet très profond. Et ni kishina kabisa moja uketo. Avec l'aide du Seigneur, c'est en train de découvrir beaucoup de choses là-dedans. Na msaada ya Bwana tuko na vumbula vitu ya mingi mule ndani. Qui pourront nous permettre de bien nous approcher de notre Seigneur. Ili nyeta tusaidia tupate kukaribia kabisa Bwana wetu mzuri. Nous l'avons vu que ce n'est pas tout le monde qui peut s'approcher de Dieu. Tuliona ya kwamba sio watu wote ndio wanaweza kukaribia Mungu. Les gens qui peuvent s'approcher ce ne sont que ceux qui ont été choisis. Wale, le Seigneur lui-même. Wale wenyewe wanaweza kumkaribia ni mpaka wale wenyewe Bwana yeye mwenyewe alimchagua. Prenez que Dieu fait son choix. Et kufuatana na kisi Mungu yeye mwenyewe kuna wachagua. Choisit ses enfants, il les admet dans sa présence. Yeye anachagua watoto yake na anawaitika katika uwepo yake. Kwa David dit heureux celui que tu choisis. Ndio maana Daudi alisema iko heri ule mwenye unachagua na mwenye unamuitika katika uwepo yako. C'est une grande fierté. Ni fieri kubwa. Quand on est choisi par le Seigneur. Wakati unachaguliwa na Bwana. Dieu vous admet dans sa présence. Wakati Mungu anakuitika pia katika uwepo yake. C'est pourquoi nous devons aimer habiter dans le parvis. Ndio maana tunapasha kupenda kabisa kuishi kudumu katika makao ya Bwana. Vous rassasierez du bonheur. Wakati wo naishi pale wo tafaidikia kabisa wema. Dans la maison de Dieu. Enyi kwa nyumba ya Mungu. De la sainteté de son temple. Na ile utakaso ya hekalu yake. Quelqu'un que Dieu choisit. Ne usema ule mtu mwenye Mungu anachagua. Il devient un vrai adorateur. Ye anakuwa ule mwabudu wa kweli. La conscience du péché lui est ôtée. Na ile zamiri ya zambi na mwondokea. Une personne qui vit maintenant dans la sainteté. Ni ule mtu ule mwenye anaishi sasa katika utakaso. Les choses de ce monde n'ont plus encore de valeur devant lui. Reste attaché à la parole. Et il aime réellement la parole. Vous savez, le saint prophète dit Dieu est amour. Et il aime être aussi aimé. Na ye anapenda pia kupendewa. Quand Dieu vous aime, wakati Mungu anakupenda, retour, vous devez aussi l'aimer. Et ye wewe pia unapasha kumpenda. Et nous avons vu que notre approche c'est le nom de Jésus-Christ. Et tuliona kwamba kukaribia kwetu ni jina la Yesu. Je vais vous dire que ce nom ndugu anasema ile jina. Et comme le nom d'Elohim était pour le nom d'Elohim était pour Abraham. Iko sawa jina ya Elohim gisi likuwaka kwa Ibrahim. C'est un nom qui vous régénère. Ni ile jina ile inakutisha upya. C'est un nom qui vous donne la force. Ni ile jina inakupatia nguvu. C'est un nom qui vous bénit. Ni jina inakubariki. C'est un nom qui vous donne la victoire. Ni jina inakupatia ushindi. Tout ce dont vous avez besoin. Inakupatia ukombozi na kile kyote na lazima. Reside dans le nom de Jésus-Christ. Na hivi basi ni mujina Bwana Yesu. C'est un nom qui chasse les démons. Ni jina inafukuza mapepo mchafu na fufua wafu. Ce n'est pas un nom comme les autres noms.
C'est le nom qui fait trembler l'enfer. C'est pourquoi les prophéties, dans le message, Dieu parla à Moïse. Et Chapitre 53. Dans le paragraphe 30, il dit ceci. Aucun homme ne s'approchait de Pharaon sans passer par Joseph. Aucun homme ne s'approche de Dieu sans passer par Christ. Donc, ce qui s'était passé avec Joseph, il était en Égypte, c'est le type de ce qui devait se passer avec Jésus. En ces temps-là, personne ne pouvait passer par Pharaon sans passer par Joseph. Vous savez que la Bible dit que tous genoux fléchissaient quand on disait Joseph vient. Mais tous genoux doivent fléchir de
que votre vie commencera à aller de l'avant. Et il dit, si je me mettais en route vers chez moi, cet après-midi, et que j'allais, et que je traversais un champ, je me retrouverais enfoncé dans une marée de boue quelque part. L'autoroute mène à Jeffersonville. Et je dois suivre l'autoroute. On roule facilement lorsqu'on est sur la route. Et vous savez que Jésus avait dit, je suis le chemin. Soyez sur le chemin Jésus-Christ. Vous n'allez pas ruiner votre vie. Vous n'allez pas vous embourber dans la route. Et frère Banam dit, mourez à vous-même. Passez par le sang de Christ. Alors vous pourrez vous approcher du Père. Et il vous donnera le Saint-Esprit qui fera de vous un croyant. En effet, ce n'est plus vous qui croyez, c'est le Saint-Esprit en vous. Votre nature a été changée. Oh, j'aurais souhaité que nous ayons plus de temps. Donc, quand vous passez par le chemin Jésus, vous remarquerez que votre nature changera. Vous verrez que vous allez croire maintenant la parole réellement. Parce que ça ne sera pas vous qui croyez, mais c'est le Saint-Esprit qui est en vous qui croira la parole. Quand le prophète dit que le Saint-Esprit en vous ne doutera pas la parole. Et quand vous voyez quelqu'un minimiser la parole, c'est parce que la personne n'a pas le Saint-Esprit, l'auteur de la parole en lui. Et si vous voyez que vous avez la crainte de la parole et que vous vivez la parole, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Et Christ respectera sa parole. C'est pourquoi si vous ne voulez pas être ruiné, si vous ne voulez pas vous embourber, restez sur la route, restez sur le chemin Jésus-Christ, et vous allez rouler facilement. Et vous pouvez peut-être me poser la question, et devrions-nous rester là même quand surviennent les phénomènes terribles? Oui, restez toujours là. Ne quittez pas sur ce chemin Jésus, afin de pouvoir aller ailleurs. Écoutez ce que le prophète dit dans le message Israël à la mer Rouge. La première partie, le 26 mars 1953. Et il est sur paragraphe 32, Genèse 35. Il dit, je ne le mettrai pas dehors. Et c'est lui qui vient à moi. Et c'est juste d'écouter. Voici la parole de l'homme. Jésus-Christ a ses jeux. Saint Jean 5, 24. C'est lui quiconque, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a en présent la vie éternelle, pas seulement d'une réunion à une autre la vie éternelle, et ne vient point en jugement ou en condamnation. Il ne sera jamais rejeté, mais il est passé à la mort, de la mort à la vie. Il dit Saint Jean 5, 24, Jésus l'a dit, je suis le pain de la vie, je suis descendu du ciel auprès de Dieu. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai dans le dernier jour. C'est ce qu'il a dit. Et maintenant, il y en a beaucoup qui prétendent en faire partie. Il y en a beaucoup qui luttent
avec leur propre force qui essayent de vivre droitement et d'entrer des forces. Il ne ce n'est pas de cela que je parle, mais si vous êtes dans cette vie éternelle, il est aussi facile de vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas ce que vous fournissez là, les efforts, vous êtes forcé d'entrer. Non, ce n'est pas ça. La première des choses, soyez d'abord dans la vie éternelle. Ayez la vie éternelle. Et une fois que vous avez la vie éternelle qui est Christ en vous, vous vivrez la vie chrétienne facilement. Et il dit, il est aussi facile de vivre la vie chrétienne et de vivre toute autre vie parce que vous êtes en Christ et rien d'autre que la plénitude du Saint-Esprit vous conduit, vous guide et vous dirige. Et bien vous commettrez bien sûr des fautes et tomberez, mais vous ne pouvez pas rester par terre. Quelqu'un peut lui arriver qu'il commette une erreur. Ça peut vous arriver de tomber. Mais vous ne pouvez pas rester par terre. Car autant que qu'on ne peut pas faire d'une tige de blé un sycomore, vous ne le pouvez pas. Donc vous ne pouvez pas prendre un chrétien et faire de lui un pécheur. Non, ça ne peut pas se faire. Il peut arriver qu'un chrétien trébuche. Il peut arriver qu'un chrétien tombe. Il ne restera pas par terre. Parce que frère madame dit que vous ne pouvez pas faire d'une tige de bleu un sycomore. Vous ne le pouvez pas. Jésus dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Vous avez la vie éternelle. Il dit, une de plus grandes malédictions qui est sur l'église aujourd'hui, c'est la peur. Chacun a une peur bleue. Il se demande, que va-t-il se passer? Il dit, qui croit dans les enfants de Dieu, même quand vous êtes sur ce chemin, donc peu importe les événements ou les phénomènes terribles qui peuvent vous arriver, n'ayez pas peur. Parce que Frère Manam dit que l'une des plus grandes malédictions qui est sur l'église aujourd'hui, c'est la peur. Un enfant de Dieu ne doit pas être effrayé par les événements, par les phénomènes, même si cela est terrible, restez sur le chemin de Jésus. Et ce que frère Banam dit, et bien Jésus dit, même lorsque surviennent des phénomènes terribles, levez vos têtes et réjouissez-vous. Donc vous êtes sur le chemin de Jésus. Le phénomène terrible arrive. Qu'est-ce que tu dois faire? Ne quittez pas le chemin, n'abandonnez pas la poche. Le madame dit, levez vos têtes et réjouissez-vous. Il dit, car grande pour moi, car grande, votre délivrance approche. Lorsque ces choses arrivent, quand vous voyez que dans votre vie il y a des choses, des phénomènes terribles qui vous arrivent, sachez très bien que la délivrance n'est pas très loin. Amen. Amen. Et c'est juste au moment où la bénédiction s'approche, qu'il remarquera que dans sa vie
il y a des phénomènes terribles qui vont commencer à lui arriver, le blocage, les choses ne marchent pas, tu peux me te poser la question, est-ce que Jésus me connaît réellement, est-ce que réellement je suis dans la volonté de Dieu, est-ce que ce que je fais c'est la parole, n'abandonnez pas la parole, restez toujours dans la parole. Et quand les choses deviennent tellement terribles, quand tu remarques des phénomènes terribles, des choses qui vous effraient, qui vous poussent même à abandonner la parole, vraiment, on dit que c'est le moment d'élever la tête et de commencer à se réjouir. Une personne qui connaît Jésus, qui reste sur le chemin, qui garde jalousement son approche, qui est le nom de Jésus-Christ, vous le verrez beaucoup plus dans la joie. Quand les choses deviennent difficiles, vous le verrez dans la joie, vous le verrez en train de se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ces choses ne peuvent pas arriver sans qu'il y ait la délivrance qui est en route. Parce qu'avant qu'un problème puisse vous arriver, sachez que Dieu a déjà la réponse. C'est pas ça, madame dit, avant que les enfants d'Israël se mettent à genoux pour demander la délivrance, Dieu avait déjà Moïse à leur donner. Et vous devez savoir que Dieu a la solution avant les problèmes. C'est pourquoi nous devons lui faire toujours confiance et rester toujours attaché à la parole. Parce que vous devez savoir que la stabilité de votre vie dépend de votre attachement à la parole. C'est ce qui fait ou produit votre bonheur. Donc c'est la parole qui stabilise la vie. Et votre attachement à cette parole, c'est ce qui produit votre bonheur. Mais quand vous abandonnez la parole, sachez très bien que vous avez aussi abandonné votre bonheur. Vous avez aussi abandonné votre joie. C'est pourquoi gardez le pain de vie qui est Jésus. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les épreuves, gardez votre approche. Parce que frère Madame dit, et quand vous remarquez qu'il y a des choses difficiles, donc n'allez pas pêcher. Parce qu'il y a ces gens-là, dès que le problème est compliqué, j'ai beaucoup de soucis, je dois me détendre un peu, il va chercher des whisky. L'autre peut aller même chercher une prostituée quelque part. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut se détendre. Et il veut enlever les soucis. Non, nous les enfants de Dieu, quand le problème nous dépasse, nous nous détendons dans la parole. Et c'est ce qui nous détend. Parce que vous devez savoir que vous êtes plus grand en esprit que dans la chair. Et cette chair ne doit pas vous dominer. Et c'est vous qui doivent dominer votre chair. Parce que vous avez existé avant ce monde. Et vous continuerez aussi à exister quand ce monde prendra fin. C'est pourquoi vous devez savoir que quand nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approchera aussi de nous. C'est ce que la Bible dit dans Jacques 4, paragraphe 7-8. Il dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand le diable vient, vous devez apprendre
à lui résister. Et quand vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Et il dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Donc si tu veux que Dieu puisse s'approcher de vous, commencez premièrement par s'approcher de Dieu. Et quand vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Et la Bible continue, dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, on doit laver nos mains et nous devons nous approcher de Dieu, et le Seigneur s'approchera aussi de nous. Et quand vous le faites comme ça, vous verrez réellement la gloire du Seigneur. Dieu nous donne l'approche, il fait que nous devons accepter ça et que nous puissions réellement nous approcher de lui. Et une fois que nous faisons cela, le Seigneur nous donnera la victoire. Parce que vous devez savoir que le Saint prophète dit, Dieu vous attend à votre approche. Donc Dieu lui est là, il vous attend à votre approche. Et si vous ne vous approchez pas de Dieu, lui aussi ne s'approchera pas de vous. C'est ce qu'il dit dans la loi ou la grâce, Jean 54, paragraphe 130. Il dit c'est cela, Dieu vous attend. Il dit à votre approche. Donc Dieu vous attend à votre approche. Et si vous venez suivant la voie à laquelle Dieu a pourvu, la voie à laquelle Dieu a pourvu, c'est ce message ici. Parce que vous devez savoir que le prophète dit que nous devons adorer Jésus dans sa position d'aujourd'hui. Dans la position d'aujourd'hui, il est le fils de l'homme, il est le message de l'heure, le Dieu de l'Apocalypse, le Dieu de Luc du 7, le Dieu de Zacharie 14, le Dieu de Jean 14, le Dieu de Joël 2, le Dieu de toutes ses promesses, de sa venue, de sa manifestation, de son appel, il est connecté de sa présence parmi son peuple. Dieu attend chacun de nous. Vous qui m'entendez maintenant, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu vous attend à votre approche. Si vous venez suivant la voie à laquelle Dieu a poursuivi, vous comprenez que suivant la voie à laquelle tu as pourvu, Dieu vous attend. Amen. Amen. Et si vous d'une autre manière, le Seigneur ne vous attendra jamais. Il dit, car vous venez en criant de tout votre cœur, Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et vous entrez. Pendant lorsque vous venez cherchant le Saint-Esprit, voyez-vous, Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et quand vous chantez comme ça, quand vous criez comme ça, vous aussi, vous devez commencer par se purifier, par laver vos mains, être pur sans tache devant le Seigneur. Et le Dieu qui nous attend, il fait que nous puissions nous approcher. Et quand vous vous approchez du Seigneur, le Seigneur s'approchera aussi de vous. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, nous devons toujours faire ça. C'est pourquoi une fois, j'avais entendu le témoignage que frère Georges, le juif qui s'est marié à la fille,
de frère Branham. Smith mwenyali yo bintu wa ndugu Branham. Il disait que frère Branham était tellement humble. Et ndugu Branham alikuwa mnyenyekevu kabisa. De la sorte que même quand il marchait sur la route. Munamne enyeta wakati akitembea munjia. Et qu'il se rencontrait avec quelqu'un. Na yana kutana na mtu. Il connaissait ou que lui connaissait. Ule mtu mwenyeya alikuwa akijua la côté de la route. Mwenyali kwa tangamba pira barabara. Personne dit ah, salut frère Branham. Et ule mtu asema na kusalimu ndugu Branham. Et frère Branham avait toujours tendance à aller vers la personne. Ndugu Branham alikuwa kila mara kutafuta kwenda kwa ule mtu alimsalimu. Et quand il le faisait, c'est parce qu'il remarquait aussi que dans la personne il y avait cette tendance là d'aller vers lui. Alikuwa akifanya kwa sababu alikuwa akiona ndani ule mtu kulikuwa pia ile hali ya kutafuta kukuya kwake. Et quand vous avez cet amour, na wakati uko na ile mapendo ile, et que vous vous approchez de Dieu, na wewe unakaribia Mungu, sachez très bien que le Seigneur, ujue vizuri ya kwamba Bwana s'approchera vers vous. Ye pia atamikaribia. Donc la première chose, commencez d'abord par vous approcher. Niko sema kitu ya kwanza uanze kwanza kufanya nini? Parce que Dieu lui vous attend. Wasawiye Mungu iko na mingoya. À votre approche. Kwa ile namna ya kukaribia. Et si vous ne vous approchez pas de Dieu, wewe basi kama ukaribie Mungu, lui aussi ne s'approchera pas de vous. Ye pia ayata mikaribia. Et la Bible est tellement claire là-dessus. Na Biblia iko kabisa wazi pale ile mambo. Dans chapitre 4. Il sema katika Yakobo hivi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Na ye pia atamikaribia. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans le péché impardonnable. Et si qui a qu'il est nien la soeur katika maopiri zambe nye wezi kusamewa. Paragraphe 57. Et qui fume yaki amsini na saba. Il dit alors. Asabasi. Si vous n'avez pas été séduit pour croire une théorie. Ewe kama aukotongozwa kwa jile kwa mini théorie moja hivi. Une sensation. Et wala machimuko moja hivi. Ou quelque chose d'autre. Wala kitu moja kingine. Vous comprenez que quand vous venez à l'église. Munelewa kwamba wakati munakuja kanisani. Vous devez vraiment être séduit. Vous devez vraiment veiller à ce que vous ne soyez pas séduit. Pour croire une théorie. Un chrétien, c'est un praticien. C'est quelqu'un qui pratique ce qu'il croit. C'est quelqu'un qui met en œuvre ce qu'il croit. Et vous remarquerez que aujourd'hui, dans la plupart de nos églises, il y a beaucoup de théories qui la pratiquent. Beaucoup de gens parlent des Écritures avec une certaine qualité derrière pour soutenir une certaine position. Mais vivre la parole, les gens ne vivent pas la parole. Et si vous voyez une personne comme ça, vous devez savoir que le prophète dit, c'est une personne qui a été séduit. Les enfants de Dieu ne doivent pas être séduits pour croire une théorie. Regardez quand je vais apprendre l'écriture de Marc 11. Abraham dit qu'avant que Jésus puisse dire à ses disciples, que vous pouvez dire à la montagne, quitte-la, jette-toi dans la mer. Abraham dit que Jésus commence premièrement par démontrer la puissance. Il maudit l'arbre. Il dit que personne ne mange de ton fruit. Et par après, Jésus qui a fait semblant de partir. Il était très attentif. Ils ont observé l'arbre. Ils ont vu que l'arbre était toujours la vie. Le feuilles était toujours vert. Attaché là. Les corps étaient toujours attachés. Peut-être l'arbre pouvait bouger. Et il regardait attentivement. Est-ce la parole du Seigneur a-t-il failli? Il a parlé, l'arbre reste dans le monde. Et on a dit que ce qu'ils avaient manqué. C'était que quand on avait prononcé cette parole était destinée dans les racines et qui est allé détruire la vie de l'arbre. Et quand les disciples sont partis avec Jésus, à leur retour, comme la chose les préoccupait beaucoup, et Jésus les a amenés aussi expressément toujours tout près de cet arbre parce qu'ils connaissaient l'air
dernières intentions. Et quoi, Yesu aliwapeleka kabisa kupita tena kabisa katika karibu ile muti kwa sababu alikuwa akijua nini kwa kiwasa. Wanaangalia regarde l'arbre que tu as maudit. Angalia ile muti ulilaani. L'arbre séché. Hii muti imekauka. Jesus n'a pas dit non, ça c'est le cœur mais c'est pas bon. Yesu alisema ndio hii ni mapate yangu. Mais si vous avez la foi. Yesu kama nini mtu anaimani. Unaweza elezea hii mulima. Toi de la chez toi dans la mer. Ondoka pale ujitupe bahari. Si vous n'avez pas de doute en vous. Wewe kama una shaka ndani yenu. Cela sera fait. Ile itafanyika. Vous pouvez ordonner à l'arbre qui t'ici va là-bas. Unaweza kuelezea mti ondoka hapa uende pale. Jesus. Na Yesu. Ne leur pas présenter la théorie. Yeye akuwaonesha ile théorie. Il leur a présenté premièrement la pratique. Yeye aliwaonesha ile matendo. C'est pourquoi nous devons quitter cette religion de théorie. Ndio maana tunapaswa kutoka mwile dini ile ya mumkishwa. Et soyons des praticiens, les gens qui pratiquent ce qu'ils confessent croire. Et tukue watu wenye wako naishi kabisa kile nyoko nasema waziwazi ya kwamba wanaamini. Et frère Namji, une sensation ou quelque chose d'autre. Et ndugu anasema chichumko moja wala kitu moja ingine. Les choses qui sont correctes. Et vitu venye ziko sawa. Je n'ai la rien contre. Mimi kabisa sina kwa kupinga nicha mule. Peu importe comment Dieu vous les donne. Aizuru mara ngapi nyi Mungu anamipa. C'est entre Dieu et vous. Et ni katikati ya Mungu na mweye. Vous voyez. Et mnaona. Mais quand un homme. Et na wakati est né de l'esprit de Dieu. Na roho ya Mungu. Vous le trouverez tout aussi libre. Utamuona kabisa iko huru. Et humble que possible. Munyenyekevu mnamna yote na uwezekana. Il s'approche du trône de grâce. Ye anakaribia kiti ya enzi ya rehema. Sachant qu'il a le droit de manger de l'arbre de vie. Et akijua kwamba iko na haki kukula kwa ile muti ya uzima. Car quelque chose est arrivé à cet homme. Et kwa sababu kuna kitu kilifika kwa huyu mtu. Qu'il a fait passer par une expérience. Yenye limupitia katika kuonja. Qu'il n'avait jamais connu ailleurs. Enye aya pataka mahali ingine. Dans le monde. Et mule mudunia. Et chaque homme. Kila mutu. Ou chaque femme. Et kila mwanaume wala mwanamke. Qui est né de l'esprit de Dieu. Anazaliwa kupitia roho ya Mungu. A en lui une expérience. Iko ndani yake na ile kuonja. Dont il sait directement quand c'est arrivé. Enye ye mwenyewe anajua wakati gani ile kuonja ile ilifika. Personne ne pénètre de l'esprit de Dieu. Hakuna ule mwenye anaweza kunyamaza roho ya Mungu. Sans qu'il y ait en lui une expérience. Et pasipo kukue ndani yake na ile expérience là. Na ile kuonja ile. Tu dois savoir. Inapaja kujua. Quand c'est arrivé dans votre. Wakati gani enye ile kuonja ile ilifika katika maisha yako. J'ai l'expérience. Et mimi nilicha kuonja pour cela. Cette expérience là. Na ile kuonja ile. Dès que ça arrive. Wakati inafika. Dans votre vie. Katika maisha yako. Vous connaissez même. Wewe mwenyewe unajua. Quand c'est arrivé. Wakati gani kabisa ile ilifika. C'est comme quelqu'un croit la parole. Iko sawa wakati mtu anaamini. Il peut même vous expliquer. Anaweza anza kumikatia. C'était au travers de telle prédication. Il croit qu'elle kupitia mahubiri fulani. Je ne peux pas oublier cette date là. Et mimi naweza kukumbuka ile tarehe. Quand j'écoutais la parole. Wakati nilisikia neno. Le prédicateur là. Mhubiri ule. La prédication m'avait touché. Mahubiri ile kabisa niligusa kabisa. Je l'ai écouté. Et mimi. Je me suis dit personne n'a prêché comme cet homme. Nikasema kabisa si asikia kabisa. Depuis lors. Tokea pale. J'ai reçu une expérience. Mimi nilipokea ma vie a changé. Na maisha yangu yamebadilika. Et vous verrez que c'est une personne. Na mtaona kama huyu mtu huyu. Il a reçu de l'expérience. Mwenye anapokea ile kuonja ile. Il continuera à marcher. Ataendelea. Selon cette expérience. Kufuatana na ile kuonja. Et même quand les problèmes arriveront. Hata wakati mambo yatafika. Cette personne là. Huyu mtu huyu. N'oubliera jamais son expérience. Hata sababu kama kuonja kwake. Il sait que Dieu. Et anajua kwamba. Sera toujours avec lui. Atakuwa kila mara pamoja. C'est pourquoi, frère ma sœur. Joma na ndugu yangu na dada. Si tu mènes une vie de théorie. Wewe kama unaishi tu maisha ya ukichwa. Dépourvu d'une expérience. Et inakosa ile kuonja. Sachez que c'était une séduction que tu avais. Ujue kwamba ile ni utongozi tu ndio ulipokea. Quand Dieu vous appelle à lui. Wakati Mungu anakuita kwake. C'est pour que vous puissiez vivre sa parole. Ili upate kuishi na lake. C'est pour que vous puissiez vraiment laisser aussi des empreintes de pas. Ili upate pia kuacha manyeo ya matua. Qui feront que quand les autres viendront. Et yeye tafanya kwamba wakati wengine watakuja. Ils pourront dire non, telle personne. Wasema unajua fulani. Était sur la terre. Wakati alikuwa duniani. Cet homme là. Ule mtu ule. Cette femme avait Dieu. Ule mwanamke ule alikuwa. On a vu des œuvres. Elle tuliona matendo. C'était une personne qui pouvait relever la foi de quelqu'un. Mtu mwenye angeweza kupandisha imani ya mtu. Quand les choses sont difficiles. Wakati vitu iko bia nguvu. Cette personne. Ule mtu ule. Vous montrera réellement. Aja kuonesha kweli kweli. Qu'il sait en qui il a cru. Yeye aliamini nani kabisa. Amen. Amina. Et vous verrez que cette expérience. Na mtu aone kwamba ile kuonja ile. Gardera. Itamchunga. Le protégera.
et cette expérience le guidera dans sa vie. Donc vous devez avoir cette expérience et connaître aussi quand c'est arrivé. Madame Dufrigil, il dit comment c'est arrivé. Donc vous devez d'abord connaître quand est-ce que cette expérience est arrivée et comment c'est arrivé et quel genre de fait cela a produit sur vous. Amen. 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 Et il dit chaque homme ou chaque femme qui est né de l'Esprit de Dieu a en lui une expérience dont il sait directement quand c'est arrivé, comment c'est arrivé et quel genre de fait cela a produit sur lui. L'expérience a produit quoi? Ça avait quel effet sur toi? Et comment qu'est-ce que cela est arrivé? Et tu dois connaître quand cela est arrivé, comment c'est arrivé et quels sont les effets que cela a produit sur toi. Parce que une fois que l'expérience là, de la nouvelle naissance, du Saint-Esprit vient à vous, vous remarquerez que vous deviendrez un super homme. Vous serez une personne qui ne recule pas. Vous serez une personne qui a une expérience qui fera que vous puissiez vous tenir debout quand surgiendra le phénomène terrible dans ta vie. Il y a quelque chose est arrivé à chaque homme et à chaque femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Juste quelque chose qui change. Et il dit qu'est-ce? C'est la conversion. La conversion, ce n'est pas changer des églises. Ce n'est pas changer des pasteurs. Ce n'est pas changer des bâtiments. Ce n'est pas quitter. C'est l'église de Dieu faire le tabernacle et penser que c'est ça la conversion. Non, la conversion c'est quelque chose qui change la vie d'une personne. Et une fois que vous êtes changé, vous remarquerez que vous aurez une expérience qui vous tiendra debout. La femme a dit que chacun de nous doit avoir quelque chose qui lui tiendra debout. Amen. Amen. Et vous remarquerez que votre vie ne sera pas une vie de quelqu'un qui se plaint à tout moment, qui a des larmes à tout moment. Non, c'est ce qui fait que chacun, un enfant de Dieu qui a cette expérience, il peut lui arriver que les choses soient difficiles. Ça peut même les toucher au cœur. Tu peux le voir un moment comme s'il est triste. Mais soudainement, cette réaction-là ne viendra pas de l'extérieur, viendra de l'intérieur. Vous sentirez que quelque chose en vous va commencer à murmurer les cantiques de Sion. Quelque chose en vous vous poussera à chanter, vous poussera à prononcer les critiques. Et une fois que cela réagit comme ça, vous verrez que la personne change d'humeur. Il peut commencer à chanter, il viendra dans la joie. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est l'expérience que cette personne a eu, la chose qui est en lui là, qui l'avait changé, qui lui avait apporté la conversion. Et nous devons avoir ça. C'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui, vous verrez que quand la personne vient, donc si c'est une personne qui a été séduite par une croyance de théorie, vous verrez qu'au début là, elle avait des boucles d'oreilles. C'est une femme par exemple, elle avait des boucles
boucle d'oreille. Iko na bijo yake ya masikio. Iko na mameshi yake. Anatosha maminiji pala tosha mameshi. Il peut vous porter une très longue jupe qui balaye la terre. Et anaweza kuvalia kijipe kubwa yenye nafagia hata chini. Ça c'est au début. Ile ni ku mwanzo. La personne peut venir là calmement. Mtu anaweza kuja pale na upole wote. Et quand vous limitez à la bible. Wakati unaishia tu kwa mvalio. Ça c'est vraiment une chrétienne. Et huyu kabisa ni mkristo. Mais à un moment donné. Wakati moja hivi. Vous remarquerez que sur le visage. Utaona kama musura yake. Il y a des histoires qui vont commencer à s'ajouter. Kuna vitu inaanza kuongezeka. Beaucoup de fonds d'état. Et anaanza kutia bima fonds d'état. Et vous remarquerez que sur la tête. Na utaanza kuona mkichwa yake. Son cœur ne sera pas tranquille, on va commencer à ajouter des petites choses. Et moro yake itakuwa utulivu, utaona anaanza kuongezea tu mavitu. Vous verrez que la tête va commencer à devenir grosse. Utaona kwamba kichwa yake inaanza kukua tena kinene. Avec beaucoup de choses. Anaongeza ongeza bibitu mkichwa. Et vous remarquerez que la jupe va commencer. Na utaona kwamba jipe inaanza à s'écourter. Inaanza kufupika kilo kiko na kupunguza urefu. Iko na pandicha kiloko kiloko. La jupe qui était ample. Et ile jipe yenye ilikuwa kujiachilia. Vous remarquerez que ça va commencer à serrer. Utaona kwamba anatafuta ile ya kumubana kidogo. Tout ça pourquoi? Parce que ile yote ni kwa nini? La personne a été séduit. Yule mbuto alitongozewa. Pour croire une théorie. Ili apate kuamini. Et comme ce n'était pas une conversion. Et kwa sababu ilikuwa ile kubadilika ile. Vous remarquerez que tu soudainement. Utaona kwamba kwa rafla hii. La personne doit avoir changé. Yule mbuto anabadilika. Il va toujours garder son image la païenne. Ye anachunga mpaka ile uwepo yake ile ya upagano. Il continuera à venir dans l'église du message. Lakini atavie kuendelea kukuja katika kanisa. Et là ça sera un problème. Na ile itakuwa ndio mambo. Si c'est un frère. Au début, il peut faire semblant de ne pas boire. Et moins de couleur de faire comme il y a de ne pas fumer. Et à vous taquer. À un moment donné, il va revenir dans ses histoires. Donc vous devez savoir que c'est compliqué. Vous n'avez pas de quoi dire comme il y a tard. Surtout quand une personne voit la parole. Donc par une théorie, par une sensation, ou quelque chose d'autre, ils n'ont vraiment aujourd'hui, j'ai pleuré. Je donne ma vie à Christ. Je regrette tous les temps. Après un jour, la personne commencera à fumer. C'est comme un frère, moi je ne savais pas. Pour moi c'est un bon frère. Et souvent je regardais toujours. Son expérience ne m'a jamais compris. Et quand on prêche la parole, on dit oui, on a ruka. Lakini siku moja il m'est arrivé de lui poser la question. Et nanifikia ni muulize. J'étais tellement dans la joie. Ni alikuwa nilikuwa kaza katika furaha. Je lui ai demandé. Et mimi nikamuuliza. Wewe nilikuona kabisa leo ulikuwa na furaha sana. Non, la parole était très bonne. Et neno lilikuwa mzuri kabisa. Qu'est-ce que tu as retenu dans la? Wewe ulielewa nini mwahubiri? Asa nini? Qu'est-ce que tu as retenu? Wewe ulisikia nini? Nini ndio ilikuwa mzuri? Toi, tu n'avais pas vu vraiment pourquoi les gens ont dit ça. C'est de trois personnes. Mais na sema, we mwenyewe, mwenye lukwa mkanisa, ulielewa, nini. Hakuna kitu, na sa unaona. Après un jour. Et siku moja. Son père me dit, c'est ton fils. Babaki anaelezea, uyu mtoto unaona. Fim. Anavutaka. Mina sema, uyu anavutaka. Sema, ndiyo. Je demande à un frère qui était proche. Mina uliza ndugu moja mwenye alikuwa karibu yake. Anasema ule anavutaka sana ndio. Mimi nishakumkutanisha yake kuna vuta. Pas de cigarette mais pas de champ. Hapana tumbako hii ya kawaida ni bangi. Et nous avons des choses comme ça beaucoup dans les églises. Na tuko na bia vile bia mingi mwa kanisa. Kuna quelqu'un qui fait qui sonne qui fait de la ruka na fanya lazima kelele. Ijapo anaifanya kwa sababu ya bangi alivuta. Eh wala pombe yenyewe alikunywa. Et si on se limite à ça, on verra comment on est jamais à tout quoi il est. Ça, ce sont des gens qui croient là-bas. Et c'est compliqué comme na ça. C'est pourquoi nous devons donc croire par le fait du Saint-Esprit. Pas se limiter à une théorie. L'église du Dieu vivant doit pratiquer la parole. Et essayez d'abord d'approcher Dieu par la voix qu'il a pour lui et voyez si la raison ou pas. Donc, quand François Madame dit cela, c'est-à-dire que quand vous approchez Dieu par Jésus, regardez les réactions qui vont
possible. Et vous saurez que la parole de Dieu est la vérité. Et vous verrez que vous allez commencer à produire les fruits de l'esprit. Vous serez une personne qui porte ces fruits. Et la vie chrétienne sera une chose réelle. Et vous remarquerez que la gloire de Dieu sera en vous. Et votre foi pourra vraiment faire des grandes choses. Crois seulement aux expectatives. C'est le chant 53. Et c'est fait par il dit, si vous déployez votre foi face à l'Esprit de Dieu, cela apporte. Il est dans l'état. Amène votre corps à la soumission. Il est à la bénédiction rédemptrice de Dieu. Pour vous. Et tout c'est pourquoi Jésus est mort. Il est assis à la croix, à la main droite du Père. Et ce soir ou ce matin, faisons l'intercession sur base de votre confession. Et tout ce que vous confessez, il a fait. Et que vous croyez, c'est votre propre possession. Chaque croyant, chaque personne né de nouveau a le droit à toutes les bénédictions rédemptrices quand vous êtes sauvé. Donc ces bénédictions, Dieu ne l'accorde pas à un perdu, non. C'est quand vous êtes sauvé que Dieu donne maintenant. Il dit, Jésus prend et vous donne un carnet de chèques qui durera toute votre vie. Et il a signé de son nom au bas de chacun. Et quand il vous donne cela, ce carnet durera tous les jours de votre vie. C'est pourquoi vous devez savoir que quand vous vous approchez correctement de Dieu par la foi qu'il a pourvu, tout en ayant la foi, sachez que Dieu vous donnera que ce que votre foi a produit. Et toute chose que vous restez venant de Dieu, sachez que ce sont des choses que votre foi a produit. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus Christ est le souverain sacrificateur de notre foi. Donc c'est pourquoi quand vous venez devant Dieu, ne soyez pas négatif, mais soyez positif. Croyez, demandez avec foi et vous remarquerez que c'est que votre foi aura produit, c'est ce que le Seigneur vous accordera. Amen. Docteur Moïse, Chant 55 paragraphe 4 et Frère Madame dit ceci. Disons par exemple qu'un pain coûte 10 cents. Et bien voici une pièce de 10 cents. Et bien ce n'est pas du pain. Et c'est grâce à 10 cents que j'achète du pain. Et de même, c'est par la foi et j'acquis le salut. La foi n'est pas le salut. La foi acquis le salut. La foi. Les 10 cents ont payé un pain. Les 10 cents ne sont pas le pain, voyez. De même, vous croyez en Dieu et Dieu confirme votre foi en vous donnant en retour ce que votre foi produit. Donc vous croyez en Dieu et Dieu confirme votre
foi en vous donnant en retour ce que votre foi produit. Vous dites j'ai la foi pour être guéri. Si vous l'avez, vous êtes guéri. Dieu est obligé à envers sa parole. Et voyez-vous cela. Il dit maintenant mon ministère pour le Seigneur, c'est de chercher à faire monter cette personne à ce niveau-ci, là où sa foi devient non pas négatif mais positif. Et c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je suis en train de faire monter votre homme intérieur à un niveau où votre foi devient positive, pas négative. Parce que quand vous vous approchez de Dieu, n'ayez pas de pensées négatives, n'ayez pas de doutes ou l'ombre de doutes, mais soyez positifs. Demandez-lui ce que vous voulez et vous verrez que le Seigneur en retour vous donnera ce que votre foi a produit. Voyez-vous ce que je veux dire? Eh bien, les disciples ne pouvaient guère croire en Jésus. Il enseignait souvent en parabole. Il parlait tantôt d'une façon, tantôt de l'autre, comme s'il se contredisait. Mais ils ne pouvaient pas comprendre ces paraboles. Et personne ne semblait les comprendre. Soyons positifs. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu sans la foi. Et votre foi doit être une foi positive. Et là vous verrez que le Seigneur vous accordera ce que vous cherchez. Parce que Dieu n'est pas seulement Dieu de l'autre foi. Il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Et s'il l'a fait hier, croyez aussi que aujourd'hui il peut accomplir les mêmes choses. Approche vers Dieu. 62, je descends. Et 62, à 68, écoutez ce qu'il dit. Il écoutait avant de voir le miracle. Ils ont dû suivre l'approche qui a été pourvue. Les enfants d'Israël n'ont pas vu le miracle comme ça, va et que vaille. Donc ils devaient d'abord premièrement suivre la voie. Suivre l'approche. Et avant de voir la mer rouge et ouverte, il devait être participant de la gloire. Remarquez, avant de devenir participant de la gloire, ils ont dû passer par la voie pourvue vers Dieu pour être participant de l'approche divine. Et des choses divines. Et vous savez que la Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. Mais avant d'être participant, vous devez d'abord suivre l'approche. Une fois que vous poursuivez l'approche que Dieu a déjà donnée, vous deviendrez participant. Et vous verrez des choses divines. Il dit, et avant que vous ne deveniez participants de cette vocation céleste bénie, vous devez passer par l'approche qui a été pourvue. Il dit, pas en vous nourrissant vous-même, pas intellectuellement, mais en mourant à vous-même, mais en naissant de nouveau à Jésus-Christ à travers l'offrande du sang.
Et là, vous devenez participant de la nature divine, des choses divines. Et vous verrez que les choses divines peuvent devenir votre partage. Mais si vous n'avez pas suivi cette voie, sachez que la porte des miracles ou des produits de Dieu ne s'ouvriront jamais dans votre vie. Parce qu'avant que cela puisse s'ouvrir, vous devez d'abord être un participant à la chose. Et pour être participant, vous devez être une personne qui a suivi la porte, qui est réellement né de nouveau. Et vous verrez que la dimension du surnaturel de Dieu s'ouvrira dans votre vie. Et là, vous pouvez commander la chose. Et les choses arriveront. Là, vous verrez que les sorciers vont commencer à vous craindre. Là, vous pouvez fermer le ciel. Et le ciel sera fermé. Et là, vous pouvez parler comme Daniel. Comme Élie. Qui n'est ni plus ni rosée. Sinon à ma parole. Et quand Élie disait comme ça, Élie avait une approche. L'approche qu'il avait suivie. Et comme il savait qu'il était participant de la chose, vous remarquerez que Élie parle comme Dieu. Et je pense que les gens qui étaient là se sont posé des questions. Élie, est-ce que toi ici, tu es Dieu? Est-ce que toi tu as créé la pluie? Vous parlez que si toi tu parles pas, la pluie ne tombera pas. Et tu te trompes. Sachez très bien que la pluie tombera. Élie a dit, ok, ça va. On va voir. Mais les gens ne savaient pas que Élie qui avait parlé, il était participant de la nature divine. Et quand il parlait, c'est Dieu qui parlait. Et quand vous suivez l'approche, vous devenez participant de la gloire. Vous devenez des dieux sur la surface de la terre. C'est pourquoi les saints prophètes disent dans la divinité restante, il dit Dieu a fait de vous Dieu pour les gens. Mais pour arriver à ce stade-là, premièrement, suivez l'approche, soyez participants. Et là, tu es un petit Dieu sur la terre. Donc, ta parole, personne ne pourra combattre ça. Et restez debout. Parce que quand tu parleras, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Et vous serez là sous la conduite du Saint-Esprit. Et vous verrez que les choses arriveront. Vous dites, oh là là, pourquoi n'ai-je pas su ces choses depuis longtemps? Vous avez cherché à passer par votre église. Vous avez cherché à passer par votre organisation. Vous avez cherché à venir par un auxiliaire. Ou l'une ou l'autre chose. Vous avez cherché à venir par vos propres bonnes œuvres. Par vos mérites. Il dit, vous ne le verrez jamais. Vous ne pouvez pas vous approcher de cela. À moins que vous mouriez à ces choses et que vous passiez par la voie d'approche pourvu par Dieu qui est Jésus-Christ et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. La voie pourvue par Dieu par laquelle le pécheur doit passer, vous ne pourrez jamais vous nourrir de la bonté de l'Ancien Testament et de la bonté du Nouveau Testament. Vous ne pourriez jamais vous nourrir de la joie, de la paix, du contentement, de la guérison de votre corps. Vous vous tiendrez à l'écart pour critiquer disant, oh, cela a peut-être il y a longtemps, mais je crois que l'approche a tout simplement
tarie maintenant. Écoutez, si Christ est la proche vers Dieu, alors Dieu, c'est El Shaddai. Amen. Ainsi suivez la voie pour vivre. Ne cherchez pas à la contourner. Suivez la voie qui a été pourvue. Ne contournez pas cette voie. Il dit une belle parabole. Si nous avions le temps d'aborder cela, la parabole du souper de noces, comment le pour distribuer les robes, il invitait tout le monde et les robes donnaient la même apparence à tout le monde. On se tenait à la porte quand les gens passaient en présentant leur invitation en Orient, en Inde et ailleurs. C'est très beau. Cela se fait encore. On distribuait les robes et tous les invités recevaient des robes. Et j'aime ça. Lorsqu'ils arrivaient à la porte, il y avait un homme à l'entrée qui prenait leurs invitations. Il mettait une robe. Quand ils entraient, un autre entrait. Et alors lorsqu'ils sont entrés là-dedans et que le dîner était apprêté, on en a trouvé un là qui ne portait cependant pas de robe. Qu'est-il arrivé? Il s'est là montré qu'il était entré par une fenêtre. Il avait contourné la porte et qu'il était entré par une autre voie. Il n'avait pas suivi la proche qui avait été pourvue. En effet, le portier l'aurait renvoyé. La robe leur donnait à tous la même apparence. Que vous soyez riche ou pauvre, esclave ou libre, lorsqu'on portait la robe, on ressemblait aux autres et on ne pouvait pas exhiber d'habits fantaisistes. Toutes ces choses lorsqu'on portait la robe. Ainsi donc, cela montrait qu'il était entré par une fenêtre et qu'il était passé par la porte derrière ou qu'il avait contourné la porte. Jésus a dit, mon ami, que fais-tu ici? Il ne savait quoi dire. Voyez, Dieu a une approche et nous devons suivre cette approche. Et tout homme qui suit cette approche meurt à lui-même, vient à Christ, il est régénéré, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. La robe de la justice de Dieu lui est donnée et il vit désormais pour Christ. Il dit, vous suivez l'approche pourvue par Dieu. Et si tout le monde peut passer par là, on n'aura pas de différents. On ne sera pas des gens dont chacun voit les choses à sa manière. Mais tout le monde aura la même apparence. Mais si nous nous retrouvons avec des gens qui ont contourné l'approche, vous verrez que ce sont des gens qui amènent toujours des choses qui sont contraires à la parole, qui amènent des désordres. Pourquoi? Parce que leur approche n'a pas été l'approche que Dieu a donné. Vous avez alors une nouvelle vie en vous. La vieille vie du péché est passée. Le vieil pensée charnelle il y a très longtemps, il y a des années, Dieu est un être vivant. Pas seulement là, mais juste ici maintenant. Il dit, tout ce qu'il a dit est la vérité. Et vous croyez tous cela. Dieu n'est pas un Dieu qui a vécu il y a longtemps. Il est le même.
même maintenant. Et quand la personne passe par cette voie, et ce que nous avons dit, alors vous ne critiquez pas les autres. La personne qui est passée par la porte de Jésus, il n'a pas le temps de critiquer les autres. Et frère Branham ajoute encore, vous ne critiquez pas votre pasteur. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a tout le temps de critiquer les autres, il a même l'audacité de critiquer même son pasteur. C'est une personne qui n'a jamais été passée par la porte de l'approche Jésus-Christ. Il est entré dans l'église par un raccourci. Et frère Manam ajoute encore, il dit tous les autres peuples, il dit les femmes qui parlent de cette façon, vous avez pitié d'elles. Et vous priez pour elle. Donc la personne qui passe par cette porte, par cette approche de Jésus, c'est une personne qui ne critique pas les autres, qui ne critique pas son pasteur. Et quand il voit les femmes ou les hommes qui parlent de cette façon, qui critiquent, qui font les choses, il a pitié d'eux. Il prie même pour eux. Amen. Et vous ne verrez pas cette personne là aller se mélanger à ces autres là. Non, ici c'est une reine. D'ailleurs, comment lui il a dit ça? D'ailleurs, une personne comme ça, il n'est pas converti. Et le saint prophète dit, et il dit, vous suivez alors l'approche pour vivre par Dieu. Et si Christ avait trouvé tellement de fautes en vous, il ne serait pas mort pour vous. Mais voyez, il était l'approche de Dieu. Il dit faire notre approche vers Dieu au travers de lui. Il dit saisissez-vous cela. Maintenant remarquez, lorsqu'Israël avait besoin de la guérison, El Shaddai, lorsqu'il avait besoin de la guérison, ils avaient un objet du vent là qui était une représentation, un serpent qui le regardait et croyait et était guéri. Eh bien, j'aurais souhaité que nous ayons du temps, mais naturellement il se fait tard. Terminons maintenant. Amen. Vous remarquerez que cette approche sera votre consolation et sera votre solution dans tout ce que vous avez. C'est pourquoi passons par la approche. Et vous remarquerez que les critiques, les péchés, toutes ces choses seront du passé. Et quand vous pouvez trouver quelqu'un qui parle mal de quelqu'un d'autre, tu auras pitié de lui. Et tu vas même prier pour lui. Est-ce que nous sommes déjà arrivés là? C'est la question que chacun doit poser. Quand j'ai rencontré quelqu'un qui critique l'autre, est-ce que j'ai pitié de cette personne? Est-ce que je m'en vais prier pour la personne qui critique? La vie chrétienne, maïcha au Christo, c'est vraiment une vie sacrée. On a encore du pain sur la planche. Chacun de nous doit réellement vérifier sa conversion. Tu es entré par quel moyen? Est-ce que ces sentiments-là nous l'avons? Je peux voir quelqu'un qui critique notre frère, qui parle mal d'une personne. Et quand il parle là, qu'est-ce que je sens? Et madame dit, des gens comme ça, vous aurez pitié d'eux. Ça fait du pitié, vraiment. Oh, Seigneur, est-ce que tu pries? Ou bien quand tu trouves des gens comme ça, tu te retrouves. Et le
gens aujourd'hui ont même le même leur pasteur. Wanasema hata mubaya hata mchungaji wao. Alishapitisha naye tunavichoka. Et quand tu arrives au site, wakati unafika hiyo unaanza commence aussi à parler. Wapi unaanza kuongezea mo. Njoo vile kasi mimi niko naona na mimi. Tout ça c'est quoi? Ile yote ni nini? Wewe ukingariki mupagano. Tu n'as pas la conversion. Haujabadilika. Nous sommes des chrétiens. Si tu crois Christ. Nous sommes passés par quelle porte? Tulipitia mulango gani? Et aujourd'hui, que chacun se mesure par. Kila mmoja ajipime kwanza kwa ile. Je suis passé par Jésus. Je suis chrétien. Mimi ni mkristo ndio. Mais quand j'écoute les gens, sasa wakati mimi nasikia watu, qu'est-ce que je sais? Wako nasema wengine. Qu'est-ce que je sais? Ya nini? Na mimi naweza kufanya nini? Lake tu sauras. Pale ndio utajua. Que ton expérience. Ya kwamba ile kuonja kwako iko mzuri. Ile force. Wala iko ya mubaya. Ces choses sont tellement profondes. Hii bitu ni ya uketo kabisa. Si les enfants de Dieu peuvent écouter cela. Na kama watoto wa Mungu wanaweza kusikia hii, ça les aidera. Itawasaidia. Et là le ciel et na pale mbingu sera garanti. Et kwa kabisa yahakikishwa kwa chacun de nous. Et kwa ajili ya kila mmoja wetu. Nous aimons beaucoup nous critiquer. Tunapenda sana kusemana mabaya wa mmoja wetu. Aujourd'hui le démon de critique c'est comme s'il a trouvé siège dans les églises du message. Leo pepo ya masengenyo inakuwa kabisa napata fasi yao katika makanisa yao. Je, parle avec une sœur qui adorait dans une église qui était juste à côté de chez moi. Et nyuma hapa nilikuwa kuzungumza na dada mmoja mwenye alikuwa akiabudu mkanisa mwenye alikuwa tu karibu yangu pale. Voilà, il me dit, oh non, je suis allé trouver la personne du côté d'Arocaria. Nilienda kupata nyumba kule ngambo Arocaria. Mais pourquoi tu es allé là-bas? Mais ça quoi nilienda kutafuta kule. Reste ici, tu vois. Kanisa iko hapo naenda kuhama. Tu vas commencer à payer les transports. Utaanza kulipa transport. Il me dit, ah. Nasema j'ai abandonné cette histoire là. Quoi? Nini? Cette église ici. Asa kanisa hii. Auta ni unaka kutena. Cette église on critique. Je connais ce semana je vais aller chercher une église ailleurs. Pas ça. Ici je ne reviendrai pas. Hii muikanisa sitakuyaka tena. Ni vizuri kabisa niende lwangu kuombea kwa wengine kwenye kwa watoto wa Mungu walielewa ujumbe wako kabisa wamebadilika. Na sio bidize tu vois. Nadhani kwa kinieleza unanyonya. Familia yangu wote ni washuhuda wa Yehova. Mie familia yangu walikataa. Wakati niamini ujumbe waliniandama. Na kuna mtu wa familia yangu alikuwa akinyangaikia. À cause du message. Kwa sababu ya hii ujumbe. Et dans le message. Na nikifika mujumbe. Je trouve des critiques. Nina kutanisha watu kuchekeleana. Donc des fois quand je regarde même chez les témoins de Jéhovah, je ne voyais pas cette chose. Mimi sikuona yonaka hata mabitu wa hivi. Si je dois aller chercher une église. Sasa mimi napacha kwenda tafuta kanisa kwingine. Nifuate mchungaji Richard lakini hapaisha acha dunia nikamwangalia sema unaona tout ça pourquoi ile yote ni kwa nini les gens n'aiment pas passer par la porte hawapendi kupitia kumulango c'est pourquoi dans les églises ndio maana makanisa il y a des gens et kuna watu qui se critiquent wenye wako na semana wako na kubadilishana kwa kila mara na mawazo mubaya qu'est-ce qui fait que nini nafanya ya kwamba quand je peux peut-être voir frère Alex wakati nyingine mimi naweza kuona ndugu Alex huyu mimi namchukia tu mafekwa alinifanya kwanza nini et après je m'attends aller au ciel avec na kisha mimi napenda ndugu Alex et tukutane na mbinguni ndio kukubalia ndugu Alex mimi ndugu Alex mimi nakupenda hapa mbinguni sur la terre on ne sait pas aimer kule kwa dunia tukupendana kule mbinguni ndio tutapendana est-ce que la bala elle va entrer et kule chuki taingia mbinguni et wale zangu bwana yenye taingia hapa c'est l'amour parfait ni mapendo kamilifu d'avoir la foi de placer des montagnes de faire des miracles guérir les malades kuponesha wagonjwa si, lakini kama mapendo hakuna
c'est pourquoi chacun se pose la question. Je veux mesurer un peu ma vie chrétienne. Aujourd'hui, avec cette écriture de Frère Branham, quand je vois les gens qui critiquent les autres, qu'est-ce que je sens? Après avoir senti cela, qu'est-ce que je fais? Frère Branham dit, la première des choses, quand tu les écoutes, tu auras pitié. Ces gens-là, c'est un chemin de la mort. La deuxième des choses, tu iras à genoux. Seigneur, j'ai trouvé Frère Alain dans une mauvaise position. En train de critiquer. Je prie pour Je suis un peu plus de temps. J'entends le cantique de 36 Hosanna. Oui, mais 36 Hosanna. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens. Puis je viens à toi. Tel que je suis, Jésus, prends-moi. Oui, longtemps, j'ai loin de sa face. Oui, fermez mon cœur à sa grâce. Blessez le ciel devant mon Jésus, je viens, je Alléluia, prends-moi. Oh Jésus, à toi je sais. Aide, je veux être libéré. Aujourd'hui, je viens à toi, Seigneur Jésus.
tel que je suis, je m'aime à toi, accepte-moi. Alléluia, prends moi. Dis alléluia. Alléluia, puis de tout. Je crois moi, mon pardon est dans les vies. Oui, pour le ciel. Pour le ciel, je suis en route. Je viens, papa, accepte-moi. Je viens à toi. Alléluia, prends. Saint prophète nous dit que quand, Père tout puissant, nous passions par cette voie, ô Dieu de grâce, Dieu de bonté, tous nous serons pareils, parce que nous donnerons tous la même apparence. Ô Dieu de gloire, tout puissant, et nous savons que le Saint-Esprit, Dieu de gloire, tout puissant, nous fera tous agir de la même manière. Dieu de bonté, Dieu de grâce, ton prophète nous dit que tu nous attends à notre approche, Père. C'est quand nous nous approchons de toi que toi tu t'approches de nous. Mon Seigneur, mon Dieu, tu as dit que cette approche nous change, cette approche nous donne la nouvelle naissance, cette approche change notre nature et fait de nous de véritables chrétiens. C'est pourquoi, Père éternel, notre Dieu bien-aimé, nous voulons réellement, Seigneur, que notre vie soit changée. Nous voulons, Père, être participants de la nature divine. Dieu de gloire, Dieu puissant, alors que tu nous as dit, pour être participants de la nature divine ou de choses divines, nous devons, Père Dieu puissant, passer par cette approche qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu puissant, ces moments-là, quand nous rencontrerons les gens qui critiquent, qui parlent mal, Père Dieu puissant même de leur pasteur, nous aurons pitié d'eux et nous irons prier pour eux. C'est pourquoi, Dieu de grâce, Dieu de bonté, accorde-nous réellement cette grâce de passer par la porte de Jésus, de ne pas contourner, Seigneur, de ne pas prendre, Seigneur Jésus, de raccourcis. Parce que quand nous faisons cela pour entrer dans l'église, nous nous retrouvons que nous sommes des causeurs de troubles. Nous retrouvons que nous sommes des gens qui mettent des coques en jambes aux autres. Dieu de gloire, Dieu puissant, qui ne veulent pas voir les choses marcher parfaitement, qui ne veulent pas voir les choses réussir dans notre Père. C'est pourquoi nous te prions que tu nous accordes réellement cette grâce pour que nous puissions être le participant de la nature divine, le gens qui marche selon la parole de Dieu. Dieu de gloire, Dieu puissant, qui suivent tes directives, notre Père, notre Dieu bien-aimé. C'est pourquoi aide, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu puissant, notre Père, notre Dieu bien-aimé, chacun de nous, Seigneur. Père, Dieu puissant, alors que nous sommes encore liés par des esprits de critique, Dieu de gloire, Dieu puissant, notre Père, notre Roi, je te demande réellement une grâce. Je
te demande une délivrance pour chacun de nous. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous consoler, nous assister, tendre Père, car nous voulons être de la gloire du puissant, le participant de la nature divine, Seigneur. Nous voulons te suivre, toi. Nous voulons être connectés à toi. Nous voulons, Père tout puissant, que toi, la gloire de la Shekinah, toi, la puissance de la résurrection, que tu entres en scène, Dieu de gloire du puissant, afin que nous puissions être des gens qui ont été réellement convertis, les gens qui ont reçu l'expérience à nous, Seigneur, qui connaissent quand c'est arrivé, qui connaissent comment c'est arrivé, qui connaissent les effets, Seigneur, que cela a produit en nous. C'est pourquoi, Père, que notre Dieu bien-aimé, accorde-nous réellement cette grâce, parce que toi, tu es Dieu, Père. Nous voulons être réellement des dieux pour les gens de ce monde, comme ton saint prophète l'a dit, Seigneur. C'est pourquoi, viens nous consoler, nous assister, viens nous soutenir, viens nous accorder ta grâce, parce que toi, tu es le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, toi la puissance de la résurrection, toi qui es la perfection, toi qui es le Dieu, Père tout puissant, qui n'a jamais failli, Père, et qui ne faillira jamais. Viens, Père, être notre Dieu, bien-aimé, agir à maître, et confirmer réellement ta parole, car nous savons que cette parole est la vérité, nous savons que cette parole est tout pour nous, nous savons que cette parole nous change, nous savons que cette parole nous délivre, nous savons que cette parole nous accorde la victoire, la récite réellement toute chose. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous voulons être réellement des gens dont leur vie est stabilisée par l'attachement à la parole que nous avons à ton endroit, Seigneur. Soutiens notre foi et garde-nous toujours plus près de toi, parce que toi, tu es le Dieu de la vérité, la parole fait chair, l'admirable Dieu de grâce, le Dieu de gloire. Père tout puissant, notre Père, notre Dieu bien-aimé, viens nous soutenir, viens nous garder, viens nous protéger, Seigneur, parce que toi, tu es Dieu. Bénis chacun de nous, bénis chacun de tes enfants, Père tout puissant qui suivait en ligne. Laisse également que tu leur accordes la bénédiction, que tu leur accordes tout ce dont ils ont besoin. Laisse que chacun puisse passer par cette approche, Dieu de gloire tout puissant, afin que la nouvelle naissance, l'expérience soit à nous, Seigneur. Nous ne voulons pas négliger cette approche. Nous voulons réellement s'accrocher à cela. Nous voulons réellement vivre cela. Nous voulons vraiment, Seigneur, être un avec toi, être participant de ta nature, parce que toi, tu es l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. Bénis le reste du temps, bénis cette nouvelle semaine. Accorde à tes enfants tout ce qu'il faut afin que cette semaine soit une semaine de réussite, de bénédiction, de grandes réalisations dans leur vie, Seigneur, parce que toi, tu es Dieu. Sois glorifié réellement jamais. Bénis, Seigneur, la marque de cette église. Soutiens tes enfants, garde-nous sains et saufs. Laisse réellement, Seigneur, que tu nous donnes ton esprit, ton amour, que nous puissions demeurer dans l'unité, tout pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom si béni du Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Non, non, t'es un croix seulement. Je vais jusqu'au bout. Avec la lumière.
bout. Moi j'irai jusqu'au bout. J'irai avec le méprisé du Seigneur. Peu importe ce que font les autres. Jusqu'au bout moi j'aimerais marcher avec Jésus seul et avoir comme Jacob une pierre pour chevet et à chaque instant devant sa face que sortir du seul j'irai, oui, jusqu'au bout, moi j'irai.